Concernant le réseau attaque, je pense que au cours des 15 dernières années, attaque a joué un rôle important dans la lutte pour l'événement d'un nouveau monde juste, égalitaire, solidaire, pacifique, écologique, etc. Attaque Tunisie a été fondée en 1999. Donc nous aussi, malgré les difficultés sous la dictature, nous avons eu un rôle important dans la préparation de la révolution. C'est vrai que la révolution, par la suite, a été dans une très large mesure spontanée. Mais il y avait tout un travail de préparation. En ce qui nous concerne, par exemple, nous avons, tant bien que mal, malgré la dictature, donc mené un combat contre cet ordre capitaliste néolibéral qui sévissait en Tunisie aussi bien dans les autres pays. Au cours de la révolution, on a profité aussi de la crise révolutionnaire pour agir, pour être présent au milieu de la jeunesse qui se battait. Et puis, après la révolution, c'est là que le rôle de Attaque Tunisie a été le plus prépondérant. Je crois qu'on a un rôle qui dépasse très largement notre taille, qui est somme toute assez réduite. Mais notre influence politique, notre influence sociale est très importante. Et je ne suis pas en train d'exagérer quoi que ce soit. Je peux donner beaucoup d'exemples sur ce que fait Attaque Tunisie. Par exemple, la campagne contre la dette. Cette question qui était complètement absente aujourd'hui, elle est une question centrale parmi les questions que se posent dans le pays. Par exemple aussi, RED était membre du groupe qui a fondé le Front Populaire, qui est donc une alliance entre partis politiques progressistes, les mouvements sociaux, des indépendants, des militants indépendants, des associations. Donc là-dedans, RED fournit un travail impressionnant et j'en ai pour preuve les rencontres méditerranéennes contre la dictature de la dette pour la souveraineté populaire les 23 et 24 mars qui ont été initiées par RED dans le cadre du Front populaire. Je pense que ce qui est encore plus important, ce que Attaque Tunisie peut apporter à ce processus révolutionnaire, ce que tout Attaque en fait apporte, et spécialement Attaque Tunisie, actuellement en Tunisie, donc c'est que nous apportons cette dimension internationaliste. Nous disons toujours dans Attaque, penser global et agir local. Actuellement en Tunisie, les gens pensent local et agissent local. Nous, on essaye de faire en sorte que cette pensée, cette réflexion dépasse les limites de la Tunisie et du monde arabe et de la région maghrébine. C'est ça, je pense, l'apport fondamental d'Attaque Tunisie. C'est que la crise est une crise globale. Les acteurs de cette crise sont des acteurs globaux et les victimes de cette crise sont les peuples de la terre entière. Donc c'est ce que nous apportons. Et je pense que, vu que on ne peut pas vaincre tout seul, on ne peut pas changer cet état de choses, chacun en se battant tout seul contre cet ordre néo-capitaliste mondial. Donc, Attaque Tunisie joue un rôle stratégique fondamental. Mais ce rôle peut rester donc faible si le réseau Attaque, Global Attaque, ne participe pas dynamiquement dans cela. Je sais que ce n'est pas aujourd'hui que Attaque s'est mis à la tâche, que les attaques du monde entier donc, militent dans le mouvement altermondialiste mondial, mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau au moins de la Méditerranée, on devrait redoubler d'efforts, coordonner nos efforts, nos actions encore davantage. On a essayé de le faire au cours de ce forum social où Attaque a été présent massivement et a été un des acteurs
un des partenaires qui ont œuvré pour la réussite de ce Forum social mondial de Tunis 2013. Donc, je pense que dans cette dynamique qui se développe au niveau de la Méditerranée et que le Forum social mondial a permis de se développer, on doit donc saisir l'opportunité entre les attaques pour peut-être repenser notre réseau méditerranéen d'attaques, d'agir plus efficacement. Je ne veux pas tomber dans l'alarmisme, mais je crois que l'heure est grave, le moment historique. On n'aura pas souvent des occasions pareilles. Aujourd'hui, je voudrais voir les choses peut-être de manière qui puisse nous aider à avancer, dire que la mondialisation néolibérale unit dans les mêmes difficultés les peuples du Nord comme les peuples du Sud de la Méditerranée. Donc cela objectivement nous donne des raisons plus fortes qu'auparavant d'agir ensemble, de coordonner nos actions. Il n'est pas... Je sais que ATTAC a fourni beaucoup d'efforts auparavant. On a déjà eu le Forum social méditerranéen à Barcelone. On a eu l'autre sommet en novembre 2000. Mais par rapport aux défis, par rapport à ce que peut faire ATTAC, par rapport aux attentes aujourd'hui des peuples de la Méditerranée, je crois qu'on est en dessous de ce que demande cette situation. Donc j'appelle de manière solennelle tous les attaques de la Méditerranée en priorité, mais aussi les attaques du monde entier, et surtout donc les attaques de la Méditerranée, à coordonner nos efforts, nos actions, à agir ensemble, à mettre en place les outils pour que donc nous soyons, nous apportons ce que nous savons faire, l'expertise, l'analyse, les clés pour permettre à cette jeunesse, à ces classes populaires, pour être des acteurs, se réapproprier leur devenir, être des acteurs de ce changement, être les acteurs de leur propre avenir.